Bon, alors, l'image marche. Est-ce que le son, est-ce que le micro marche? On va savoir ça dans quelques secondes. Ok, tout marche bien. Allez, salut à tous, à tous, c'est GVG, bienvenue sur ma cité. On se retrouve pour cette fois-ci un nouveau let's play. Et je parle bien sûr, vous pouvez le voir à l'écran. On continue toujours la saga des Resident Evil. Et on commence par, on continue par la saga des, la, par la saga des révélations. Je peux dire saga parce qu'il y en a eu deux quand même, deux opus. Donc on commence par la première révélation. La base de ce jeu était sortie sur Wii U. Non, ou 3DS d'abord, je sais plus. Enfin, je sais qu'il était sorti sur Wii U aussi en même temps. Donc c'était la particularité avec, le gamepad de voir les trucs et tout ça. Il était sorti. Oui, je crois, il était sorti sur 3DS. J'avais le jeu sur 3DS. J'ai fini le jeu sur 3DS il y a très longtemps. Donc là, je vais le découvrir sur la version PS4. Moi, ce qui me fait juste un peu peur, parce qu'après le reste, c'est vraiment du Resident Evil pur et dur. Alors ça, je peux vous l'assurer d'office, c'est qu'il y avait quand même des phases de recherche avec un objet. Donc la particularité, c'était qu'avec la 3DS, on pouvait servir la console pour regarder. Pour regarder avec la console, on pouvait la bouger, donc dans l'espace ça marchait. Pareil, idem avec le gamepad, on servait de l'écran du gamepad pour regarder. J'ai jamais joué sur la version Wii U, donc là ça me fait un peu peur sur la version PS4, non, PS3, parce qu'il était sorti sur PS3. C'est comment ils ont adapté, ces phases là. Voilà, c'est tout. Bon, bref, on a assez regardé l'œil. Oh, le son il a baissé ou quoi? J'attends qu'il y ait du son pour que je puisse remonter mon... Là, c'est, j'avais baissé le son du casque. Ah, cool, j'ai déjà un truc bonus. Ça marche. Ok. Et je peux jouer. Si je comprends les services à venir, les intérêts, je rappelle. Ouais, allez, je m'en fous personnellement. Une petite mise à jour. Voilà. Bon, ça va être long. Je pense que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû. C'est bon, sauvegarde terminé, allez. Ouais, j'ai remonté le son. Alors, campagne, commando, que vous affrontez des ennemis plus ou moins résistants, on fout. Paramètres de jeu. Alors, jeu, set et match. Visé laser bleu, rouge, vert, oh, rouge. Toile, oui, sous-titres. Ouais, ça peut être marrant. Alors, luminosité. Ouais, c'est comme ça. Voilà, audio. Ça, ça va être génial. Musique, c'est bon. Wow. Une chatte. Chat vocal, je sais pas si c'est le même. C'est bon. Langue. C'est vrai que ça va être affichage français. Voix française. Et oui, mesdames et messieurs, Resident Evil et Révélation est le tout premier Resident Evil en français. À 100% avec les dialogues. C'est pour ça que j'étais un peu dégoûté quand ils ont sorti. Parce que il faut le rappeler que les remastered de. Les remastered de Resident Evil 4 et 5 sont sortis bien après sur la PS4, bien après les révélations. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait juste qu'un remastered et pas du tout refait une refonte du jeu avec les voix françaises. Parce que quand on s'habitue à entendre des haut-parleurs en français, et quand tu passes de Resident Evil 2 où le mec parle en français, et c'est censé se passer 20 ans. Non, c'était, je crois que c'est 2004, 2005, 2004. C'est censé se passer 6 ans avant Resident Evil 4. Et dans Resident Evil 2, il y en a qui parle en français, dans Resident Evil 4, il parle en anglais. Je pose des questions. Et entre temps, il a oublié la langue. Non, en fait, non, c'est que tout simplement, Resident Evil 4 est déjà à la base en anglais, version anglaise, avec les sous-titrages français, comme dans tous les autres anciens Resident Evil. Idem pour Resident Evil 5. Donc je peux dire pareil aussi pour Resident Evil Collection, Resident Evil 0 et Resident Evil 1.
et le code Veronica aussi, mais le code Veronica n'était jamais, n'a jamais eu le droit de remake et de reboot d'ailleurs, de Marcel. Donc du coup c'est vrai que j'étais un peu déconcerté quand même quand je vois que Resident Evil 4 et 5 sont bien sortis bien avant Resident Evil 2, mais bien après le Master, je parle bien après Resident Evil Révélation, ils auraient pu faire un effort dessus. Enfin, bref, ils ont juste ressorti, fait une refonte. Donc là c'est du 100% français, je me rappelle plus des fois d'ailleurs, parce que voilà, mais je pense qu'on va bien se marrer. Allez, c'est parti. Nouvelle partie. C'était votre sentimental épreuve. Facile pour un défi modéré. Normal pour un défi plus dur à relever. Enfer, mettez votre sentimental à l'épreuve. Non, enfer normal. Ah oui, un petit truc aussi. Le jeu est fait sous forme d'épisode. Voilà, c'est la mode. Alors, c'est pas tu fais un épisode, t'es obligé d'attendre 6 mois pour avoir un suivant. Non, il était sorti comme ça, le jeu sous forme épisodique. Dans la cartouche, t'avais tous les épisodes. Une fois que tu finissais l'épisode, t'as enchaîné sur le second. Mais ce qui est bien, c'est que ça a été fait sous forme de série télévisée. Puisque quand t'avais fini un épisode, eh ben, tu avais au début du suivant, t'avais précédemment dans Resident Evil Révélation. Voilà, ce que je me rappelle de mémoire. Donc, allez, c'est parti. J'ai assez parlé. Bah, encore une sauvegarde, et elle n'a pas encore commencé le jeu, frère. Retournez-vous rapide. Ah, bah, ça, je ne vais pas changer. Allez, on va droit à magnifique française. Je crois que c'est un peu nardesque, mais c'est comme un peu tout ralenti d'ailleurs. Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. Fais le tour. On va essayer de l'aborder. Je lui dis que c'est toi qui est bien. Ça fait 94 minutes que Chris et Jessica ont disparu du radar. Et d'après les coordonnées de leur dernière position, ils sont... ici, sur ce bateau. C'est des baissiers. Utilisez même pour l'instant, oui. Merci, Captain Obvious. Alors, sur Resident Evil Révélation, première chose. Déjà, vous le voyez, on contrôle un personnage féminin. Je suis content d'avoir un personnage féminin encore. Et un personnage féminin qu'on connaît très bien. Mais je vais vous présenter l'autre personnage qui s'appelle, si je ne prends pas, Parker. Et c'est un nouveau dans la saga des Resident Evil. Il n'est jamais intervenu, de près ou de loin, je crois, dans la saga. Donc, du coup, nouveau personnage. Alors, pareil, on peut, je crois qu'on peut jouer en coop. Mais il me semble que quand je fais la première fois de l'histoire, à part en coop, je ne sais pas, on contrôle le personnage principal qui n'est d'autre que la jolie, la sexy, la sublime Jill Valentine. Alors oui, je vous arrête, elle a encore changé de couleur de cheveux. Elle est passée de blonde à revenue brune, je crois. Bon oui, donc on contrôle Jill Valentine, c'est sa quatrième aventure officielle. En comptant son passage express dans Resident Evil, c'est sa quatrième aventure. Parce que pour rappel, Jill Valentine est apparue en même temps que Chris Redfield dans Resident Evil 1. Elle a eu droit aussi à son aventure propre dans Resident Evil 3. Parce qu'on la contrôle, c'est Jill Valentine qu'on contrôle. Elle apparaît, comme on a pu le voir précédemment dans Resident Evil 5. Et là, on a le choix de la recontrôler dans Resident Evil Révélation. Et cette fois-ci,
On va pas contrôler qu'elle, on va contrôler aussi notre binôme. Mais je vous laisserai découvrir plus tard. Donc là, du coup, on est sur le bateau Queen Zenobia et on est à la recherche de notre ami porté disparu. Décidément, tout le monde se recherche. Chris Redfield. Et nouvelle nouveauté, je viens de me rendre compte. On peut enfin marcher en tirant. Merci. Alors attends, on a dû faire demi-tour. Ok. Par contre, la caméra près du corps, j'adore Jill Valentine, mais. Ouais, j'adore voir son boule bouger. Alors attends, juste que je me rappelle un peu des touches. J'ai rien? Ah, d'accord. Ok, donc c'est au milieu, il faut appuyer pour voir. Ok, bon après c'est tout. Ah non, merde, c'est la carte. C'est. Ah ouais, putain, c'est la carte. En isométrique. Ah la vache. Ah la carte elle aide par contre, franchement. Ah elle aurait pu faire un effort. Hein. Ok. Wow. Oh, j'ai pu me. Ah. Attends, je découvre les touches. Donc ça va, bon, heureusement qu'on a la carte pour se repérer quand même sur un bateau. Hein. Voilà. Ok, donc du coup. Alors, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi on est là. Enfin, si, on sait pourquoi on est là. Hein. Pour partir à la recherche de, bien sûr, Chris Redfield. Enfin, je suppose que c'est Chris Redfield parce qu'elle dit juste Chris. Mais comme on sait très bien que Jill Valentine et Chris Redfield sont totalement inséparables l'un comme l'autre, du coup, on pense que c'est on part à la recherche. On travaille toujours pour les BSAA, comme on a pu voir au début. Mais on ne sait pas ce qui se passe et tout, donc on est au courant d'ailleurs. Qui a pu faire ça? Un membre d'équipage? Il n'était pas content de la traverser? Ok. Attends, mais est-ce que je peux courir au moins? Attends, j'essaie de voir s'il y a une différence. Non. Attends. On dirait peut-être. Je sais pas, j'arrive pas à voir s'il y a une différence entre. Ça veut dire tout, ça ne sert à rien. En fait, à la base, cet opus c'était vraiment une excuse sur une excuse Nintendo. Et je sens une présence. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'on n'est pas seul. De toute façon, le problème qu'il y a avec cette saga, c'est que on n'est plus surpris. Comme je vous dis dans la dernière vidéo avec Tomb Raider, s'ils avaient réussi à nous surprendre en revenant aux bases même de Resident Evil, des Tomb Raider, mais en ajoutant quelque chose, là le problème c'est que les Resident Evil, à la fin ça ne fait plus peur. Enfin, à part certaines phases. Mais j'arrive pas à courir. Comment pas courir? Attends. Option, bouge ici par là. Je veux courir, bordel. J'ai une touche pour courir. Mais c'est normal, de toute façon. Ok, bon, c'est tout. Du sang sort des conduits. Oh, magnifique. Wow. T'as pas de lever, pas vrai? Ça ne marche pas. Mais je vois, s'il n'y a plus ascenseur, ça peut pas marcher. Ça va être dur un peu pour moi d'être un peu surpris. Connaissant déjà le jeu, je sais à peu près à quoi m'attendre. Ah mais tu le vois que c'était pas fait pour la console avec les touches croises comme ça, affichées et tout. Tu vois que c'était pas fait pour une console de salon, pour une console portable. Attends, du coup, on va tenter de prendre la porte là. J'ai qu'il y a une porte. On peut faire une croix sur l'ascenseur. Bien. Bon, ça c'est fait. Mais ça m'énerve qu'on puisse pas courir. Non, on peut vraiment pas. On peut marcher. On tire, mais on peut vraiment pas courir.
Ah, ça va être étonnant ça. Allez. Oh. Ça a grillé. Il y a du courant ici. Ouais. Ça veut dire qu'il y a du courant quelque part. Attends, essaye un truc. J'arrive pas à voir ce que c'est. La bouillie. C'est de la bouillie. Ah, des cartouches de balles. Ouais, c'est comme dans les autres jeux, j'ai même pas les munitions. Parker, donne-moi un coup de main. Bien sûr, pas de problème. C'est mignon. Voilà, ça paraît là. Quelque chose. On dirait une arme. Et maintenant? Une seconde. Alors, c'est pas Chris? Non. Mais c'est fou que c'est comme ça, ils sont moi-même plus d'avoir un truc comme ça, tu vois. C'est tellement blasé. Ouais, c'est tout à fait normal, c'est. Il y a une main à moitié desséchée qui tient un flingue. Alors, ils sont vraiment moches. Non. Putain, ça y est. Ah. Alors, pas samedi. Ah, mais je crois qu'il tiendra pas longtemps. Il va pas tenir longtemps. Oh, 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 il est dégueu. Laisse-moi tirer dans ta tête. Et le cacou. Attends, mais. Oh. Ok. Oh, putain, il me fait un gros suçon. Ça y est. Il est mort, je l'ai vu. C'est ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Parce que quand tu vois de face, tu te dis quand même qu'ils auraient pu faire un effort quand ils l'ont remasterisé sur console. Tu vois quand même que là, c'est pas très joli, quoi. Mis à part le visage de Jean, mais bon, je suis fan de Jean Valentine de base. Mais tu sens que même le visage de Parker, putain, ils auraient pu faire un effort, quoi. Je pense. C'est bien pour la. Ah, je peux l'appeler. C'est bien pour la Wii U ou pour la 3DS. Alors je n'ai pas joué la version PS3. Donc je peux pas dire si c'est un portage de la version PS3, je ne sais pas. C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde. La cité flottante, la terre, une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipée des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais, en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts de l'organisation, s'est rendu sur place pour assister le FBC.
Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terra Grigia. Après ces événements, le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005, pratiquement un an après la panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible. Nous rappelons la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Oula, elle fait quand même l'effet brume. Oh, c'est pas très 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 joli. Ah, vous voilà tous les deux. Bon, Brian, vous êtes bien loin de votre bureau? Oui, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre. Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA à mener l'enquête sur place. Ouais. Genesis, bien ça? C'est quoi ce nom? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. C'est terminé encore. J'ai amené. K.O. J'espère que vous les évitez, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, ouais, je m'y colle. Alors, le seul problème que j'ai avec cet opus, mis à part que bah, suivant les séquences, c'est très moche. Ils ont donné un bioscanner haute technologie testé à l'heure actuelle. Ils projettent réellement synchrotron spécial pour facile pour l'analyser. L'analyse virale, il est possible de détecter et d'analyser la plus infime trace de virus. Ok, on va tout dire, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le souci que j'ai avec cette opiste, c'est que je ne sais pas où le placer chronologiquement. Donc certes, je l'ai mis après Resident Evil 5 parce qu'il est sorti après Resident Evil 5, mais Resident Evil 5 se passe, je crois, en 2006 ou 2007. Il se passe juste après Resident Evil 4, qui lui se passe déjà en 2004. Et là, il nous parle de 2005, donc je comprends, j'ai un peu de mal à comprendre. Qu'est-ce que vous faites? Je parle à des gens. Donc du coup, voilà, j'ai un peu de mal à comprendre. Bon, on va peut-être pas tarder à s'arrêter d'ici 5 minutes. Alors. Leur peau est si pâle. C'est la première fois que je vois ça. Faites une analyse avec votre Genesis. Et un équipé. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. On est pour scanner. Scan terminé. Échantillon assez gros pour que le Genesis fasse une analyse précise. Scannez les carcasses sur la plage et envoyez les données. Pas zoomé. Je vais analyser ça. Je vais analyser ce truc. Ouais, putain, c'est encore long. Soyez prudents, vous deux. Qui sait à quelle branche du virus nous avons affaire? C'est ce que je me disais. Non. Mais il va me lâcher, oui. D'accord. Ça y est. Ah ben, enfin. Peut-être. Au fait, pourquoi avoir quitté le FBC? Je voulais être plus impliqué. Je voulais me battre. Vous allez bien, ce que je vois. Continuez les recherches, uh-huh. Mais soyez extrêmement prudent. Lui, il a pas bougé de sa place, Colombo. J'ai envie d'appeler Colombo, lui. Attends, on peut pas aller sur la loup. Non, sa carte s'arrête là.
Il faut aller là-bas. Là, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si ça va être coincé par quelque chose. Il n'y a rien à analyser. Ouais, après, selon moi, ils l'ont rendu basique le génégiste. Donc, du coup. Mais je peux pas courir, c'est chiant. Ah, putain, cet effet brumeux, quand même, brouillard. C'est pas joli. Ça fait, ouais, ça fait un effet brumeux dégueulasse, quoi. Waouh! Oh, quelle infection! Ça a rompu avec les gaz. Bon sang, quelle horreur! En gros? Il nous faut plus d'échantillons pour faire une analyse. Ramenez-en quelques-uns. Non, merde. Là, je vais dire qu'il y a quelque chose. Que quelqu'un a déjà fouillé ses lignes. Ok. On n'a pas assez de données pour faire une analyse complète. Prenez des échantillons là, sur la carcasse de la plage. Oh, je me demande. Ah, il y a un truc là-bas. J'ai même pas eu le temps de lire, d'accord. Il y en a manque encore. C'était moins de 21%. Mais ils sont pas sous les derniers pourcentages. Là, je l'ai fait. Ça va, je l'ai pas fait. Ce sera terminé. On peut trouver. Mais merde alors, c'est où? Ah, il y a ça. Que j'ai pris pour une barille. Ok, c'est bon. Ah, c'est chiant, je vois pas. Il y a un truc. Hop. Voilà la mer. Je crois qu'on revient en arrière. Fait. Bah, je les ai tous fait. Ah, lui, je l'ai pas fait. Il manquait juste lui. Pour tenir la visite de récupération de santé. Vous êtes en récupération de santé si votre taux d'analyse atteint 100%, je crois, des mineurs si vous analysez des ennemis du même type. J'ai assez d'échantillons. Bien, transférez-les-moi vite. Prochain endroit, boum. Vous voilà. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présentent des signes d'infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard s'ils ont pu passer le blocus du FPC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Quoi? Bon, très bien. Je m'en charge. Il va falloir faire vite. Dès maintenant. Bien, allez-y. Parker, vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu contact avec Chris et Jessica. Quand? Comment? J'en suis pas sûr. Je vous ai envoyé les coordonnées de leur dernière position.
Le signal a été perdu en pleine mer. Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes après Veltro. Mais d'après leur position, ils seraient... Sur un navire. Je retourne au QG. Occupez-vous des recherches et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux là-bas. Oui, chef. Là, la tempête, même serait bon. Bon, ah ben, bah, ça peut être long. Bon, ben, bah, on va s'arrêter là. Ça tombe bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le commentaire comme vous savez très bien sous la vidéo. Et quant à moi, je vous retrouverai ce soir pour la suite de ce Brave Lunch Evil. On va se regarder. Ouais, au mieux. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur Resident Evil Révélation. Première partie. Et je vous retrouve ce soir entre 21h et 21h30 pour la suite de Resident Evil Révélation. On est parti sur un autre Resident Evil. C'est pas le meilleur. Et pour l'instant, franchement, je ne suis pas du tout emballé comme je l'ai été emballé sur la version 3DS, parce que pour l'instant, ce que je viens de voir là, des quelques minutes qu'on a dû faire, les 20 à 30 minutes qu'on a fait, ce n'est pas très 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 joli. Allez, sur ce, je dis tchuss et à tout à l'heure pour la suite de Resident Evil Restaurant. Ciao.